Yo les potos, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Battlefield 2042 et aujourd'hui c'est une édition spéciale Easter Egg. Donc si toi aussi tu veux débloquer deux cartes de visite ou tout simplement voir l'animation qui est incroyable, n'hésite pas, cette vidéo est faite pour toi. On commence tout de suite par la map Fer de Lance. Alors en quoi consiste l'Easter Egg sur la map Fer de Lance? C'est très simple, ça va être la même chose à peu près sur Manifest et sur Fer de Lance, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver des radios, des talkie-walkie. L'idée c'est quoi? C'est simple, c'est qu'il va falloir les trouver tout simplement. Donc pour ce fait, on va commencer par prendre un hélicoptère. Déjà, start sur un serveur portal pour commencer. Ou on va setup le fait que on soit tout seul. C'est aussi simple que ça. Donc pour ce fait, je vous mettrai les codes des serveurs que j'ai fait. Hein, c'est littéralement des maps de base sans personne dedans. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez créer vous-même votre serveur portal. Mais voilà, si vous avez la flemme, je vais vous mettre les codes à l'écran. Donc tout de suite, vous l'avez déjà vu, on a été chercher le premier talkie-walkie. Donc c'est juste à côté d'une parabole. Donc voilà, c'est sur le premier gros bâtiment sur Fer de Lance. Il suffit tout simplement de monter, d'arrêter, je dis bien arrêter, les pales qui tournent. Sinon, vous allez mourir, d'accord. Si vous l'arrêtez pas, vous faites découper tout simplement. Ensuite, on va chercher le deuxième talkie-walkie qui se trouve au pied du deuxième gros bâtiment Ikea. Il va falloir peut-être un petit maquet pour grimper, prendre un petit grappin. Bon, on pourra grimper sur les tonneaux, j'imagine, mais voilà. L'idée, c'est que le deuxième talkie-walkie se trouve ici. Donc voilà, on le prend, il y a une petite animation. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, vous savez déjà très bien que vous l'avez pris. Et ensuite, on reprend notre petit ami l'hélicoptère. C'est évidemment, je suis un pilote de qualité, tout le monde le sait ici. Et on se dirige vers le troisième talkie-walkie. Qui va se trouver juste à côté. Donc voilà, moi je vous conseille de le faire dans l'ordre, mais très honnêtement, il n'y a aucun ordre, d'accord? Vous pouvez le faire n'importe comment, ça change strictement rien. C'est juste que du coup, si vous faites dans l'ordre que je viens de faire, du coup, vous n'avez pas besoin de courir pour voir l'animation s'enclencher. Vous êtes déjà au premier rang du spectacle. Voilà, donc ça c'est plutôt c'est un petit tip de professionnel. Évidemment, vous êtes chez Légumènes, on sait tous pourquoi. Et donc ensuite, je vais vous montrer quelques petites animations que j'ai réalisées. Donc voilà, j'ai refait l'historique plusieurs fois du coup. À savoir que du coup, à la fin de cette histoire, vous avez juste tout simplement, enfin à la fin de l'animation, vous avez juste simplement à quitter le serveur. Et voilà, vous allez débloquer une carte de visite. Je vous mets quelques animations du coup, différentes que j'ai faites, où j'essaie de m'amuser à dodge un petit peu le missile ou autre, le choper en l'air, sur la trajectoire, etc. Bon, clairement ça ne marche pas, du moins je me suis pas trop pris la tête dessus, parce que mine de rien, c'est long de relancer un serveur à chaque fois. Donc voilà, je vous laisse avec les petites animations, et puis profitez-en, et après on passe à Manifest. Et on se retrouve tout de suite sur Manifest où c'est le même principe, on va devoir trouver 3 talkie-walkie. Donc c'est parti, on commence tout de suite, même principe, on prend l'hélicoptère, on rush et le premier va se trouver direct au spawn dans une poubelle. Vous voyez, je vous affiche la map comme ça, vous pouvez tout simplement vous repérer, hein, c'est quand même plus facile parce que mine de rien c'est que des fois c'est pas forcément simple de se retrouver. Je fais un petit récap à la fin pour ce qui est de la map Manifest parce qu'elle est quand même plus grande et il y a un peu plus de choses à faire. Donc voilà, je pense que c'est quand même nécessaire de faire un petit récap sur qui se trouve où, qui fait quoi. Donc je vais quand même vous laisser de la trajectoire quand même, histoire que vous voyez un petit peu le trajet que je fais, hein, voilà. C'est le même principe que Fer de Lance, hein, il n'y a tout simplement pas d'ordre à faire. Vous le faites dans l'ordre que vous voulez, en tout cas pour ce qui s'agit des talkie-walkie. Donc voilà, oui, donc je me pose sur le portique. Alors attention, c'est vrai que le portique, voilà, c'est lequel? Bon, c'est le deuxième en partant de la gauche, comme ça vous le savez. Petit pense-bête, celui qui est près du point D1, bon, si je dis pas de bêtises aussi. Donc voilà, même principe, oui, on se retrouve en haut, je vous montre un peu là où on se trouve, tac, comme ça vous pouvez vous repérer. Je vais ouvrir ma petite minimap pour que vous puissiez aussi vous repérer encore plus, parce que chez les Légumènes on fait les choses bien, voilà, vous voyez à peu près, je suis tout en bas, et ensuite on prend ce petit talkie-walkie. Hop, c'est parti, et on va reprendre notre hélicoptère pour aller chercher le dernier qui se trouve dans le bâtiment, tout près de la grande tour. Donc voilà, on arrive sur le bâtiment, bon déjà faut savoir ouvrir les portes pour commencer, ça n'aide pas. Et ensuite, c'est dans la petite pièce qui sert à rien, voilà, le petit dépotoir à droite. Voilà, vous voyez, je suis en plein milieu de la map.
Donc dans le bâtiment, de toute façon, là, vous pouvez pas trop vous louper. On prend ce petit talkie-walkie et du coup, ça nous débloque des radios à aller désactiver, du moins. Donc elles sont placées à différents endroits. Bon, là, vous voyez, j'ai de la chance, énormément de chance même. Parce que je me pointe et la première radio est directement là. Alors, il y a plusieurs spawns possibles. C'est pas toujours les mêmes spawns. Donc voilà, je vais vous les dire après, tous les spawns qu'il y a. Comme ça, voilà, si jamais c'est pas au même endroit que moi, bah, il vous restera tout simplement à checker là où c'est. Donc y a déjà, bah, y a celui où je vous ai montré. À cet endroit-là, il y en a un aussi. Voilà, tout simplement. Bon, bah là, il y est pas. Du coup, je check bien et je m'en vais. Évidemment, mon skill de pilotage, voilà, fait en sorte que je fais du gymkhana avec mon hélicoptère. Là où je vise sur la tour, sur la boule de droite, là c'est pareil, normalement il y en a un aussi, enfin il peut potentiellement y en avoir un, c'est plutôt ça qu'il faut savoir. Là pour le coup vous avez bien vu, il n'y en a pas. Ensuite on se retrouve au niveau des barrières de péage. Alors je fais le tour, bon une fois de plus le skill de pilotage parle de lui-même. Voilà, donc dans ce conteneur là que vous voyez actuellement, il y en a un, donc c'est un spawn potentiel. Donc voilà, moi j'ai trouvé mon deuxième, du coup je le pose. Voilà, on s'écarte, on recule, évidemment sinon on va mourir avec l'explosion. Ça explose et ensuite on peut aller chercher le troisième et dernier et dernière radio, pardon, tout simplement, voilà, pour finir cette easter egg. Du coup, là, même principe, je check parce que là, entre les deux conteneurs, c'est pareil, normalement, c'est un spawn potentiel. Vous inquiétez pas, messieurs, d'accord, je vous mettrai toutes les images avec les radios disponibles, enfin, en images, avec la localisation exacte sur une map. Comme ça, vous verrez vraiment où est-ce que c'est. Ça vous permettra de mieux vous repérer, clairement. On fera ça à la fin. Mine de rien, comme ça dure pas trop longtemps le run, voilà, je l'ai laissé en entier. Le skill de pilotage incroyable, bon, en fait, là, depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de voir si la radio, elle est là. Bon, j'y n'y arrive pas, donc du coup, je décide de descendre, hein, tout simplement, parce que je suis vraiment trop nul en hélicoptère. Et j'ai de la chance, elle se trouve au bon endroit. Donc c'est parti, on l'active, on va reprendre notre hélicoptère. Donc comme vous pouvez le voir, ça va très très vite, hein, mine de rien. Il faut juste tout simplement connaître les spawns potentiels, et puis c'est tout. Ensuite, on reprend l'hélicoptère et c'est reparti. Maintenant, on va faire la dernière étape de cette easter egg. On va tout simplement aller chercher le conteneur dans lequel est caché un disque dur. Et oui, incroyable, vous savez, ces fameux disques durs de Hazard Zone, en or un petit peu là, qui ressemble à des gaufres. Et ben voilà, on se pose ici, à cet endroit-là. On a le conteneur qui se trouve devant nous, avec les trois petites LED qui sont vertes. Et tout simplement, si les LED ne sont pas vertes, c'est que vous avez tout simplement pas activé les trois radios et faire exploser. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on rentre dedans, voilà, tout simplement. Et puis là, on a juste à prendre le petit disque dur qui se trouve ici. Voilà, vous le prenez, hop, il disparaît. Et maintenant, quand vous allez quitter, tout simplement, vous allez gagner, du moins récupérer, une carte de visite. Donc voilà, messieurs, c'est tout simplement l'easter egg de la carte Fer de Lance et de la carte Manifeste. Et pour finir, on se retrouve sur cette magnifique carte interactive. Pas du tout, pas du tout, c'est tout simplement un paint. J'en suis désolé, messieurs, mais mon skill sur Photoshop est de l'ordre d'une huître, approximativement. Donc voilà, j'ai fait ça un petit paint, j'ai essayé d'imager comme je le pouvais. Donc les ronds rouges, du coup, c'est les radios à détruire avec des petits numéros. On va voir un peu plus tard pourquoi des numéros. En jaune, c'est le fameux conteneur à aller chercher. Et en vert, c'est les talkie-walkie à débloquer. Tout simplement, donc sur les images qui vont suivre, il va y avoir des numéros. Donc le numéro 1, ça ira avec le rond 1. Le numéro 2, enfin l'image 2, ira avec le rond 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En attendant, j'en profite pour remercier BFEE Battlefield Easter Egg, bah, tout simplement pour leurs images, et puis bah parce que c'est tout simplement eux qui ont trouvé ça, c'est eux qui se creusent la tête. Moi, j'ai quasiment rien fait, on va pas se mentir, j'ai même tout simplement rien fait sur ce coup-ci. J'ai tout simplement retranscrit ce qu'ils ont trouvé, et je vous fais partager à vous. Donc en attendant, si ça vous plaît, messieurs, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher votre like, votre commentaire, activer la petite cloche, vous connaissez la salade. En tout cas, moi, ça va me donner énormément de force pour la suite. N'hésitez pas à me rejoindre sur twitch.tv/legumen. Soon, dans une semaine, voire deux, il y a la saison 4 qui va sortir. Donc si vous voulez la découvrir ensemble, et bah, tout simplement, venez me rejoindre. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, messieurs, à bientôt. Très bonne fin de journée, très bonne semaine. Prenez soin de vous et à une prochaine pour une vidéo sur Battlefield.